Bonjour mes amis, vous êtes en compagnie de Ecobin TV. Je suis dans mon petit potager, on est aujourd'hui le 18 octobre 2021. Je me permets de vous donner la date et l'année. Ben, on est en automne, l'hiver approche et je vais vous présenter un arbre fruitier qui prénomme Naf, là, si j'ai bien prononcé. Voilà, c'est des graines que j'avais récupérées cet été. J'ai repiqué dans un pot et maintenant je les ai mis en pleine terre il n'y a pas si longtemps. J'ai l'intention de le laisser en pleine terre pendant tout l'hiver. Justement, on avait parlé d'un arbre fruitier qui prénomme Nafle. Voilà, ben je vous le présente à la caméra. Ils sont là. Voilà. J'ai repiqué en terre. Mais tout au début, c'est des fruits que j'avais achetés dans une grande surface. Et voilà, et puis j'ai gardé les graines, je les ai mis dans un pot avec du terreau tout plantation tout simplement, et puis j'ai décidé de le mettre en terre. Mais en principe c'est une plante qui ne supporte pas le froid, d'après ce que j'ai lu dans YouTube. Voilà, et bien moi je vais faire un essai en les laissant à l'extérieur. Je vais essayer de protéger avec de la paille. Et puis, ce sera une vidéo en deux étapes. Voilà. Je vais faire un essai. Hein. C'est des nafles. Des nafles. L'arbre, c'est un naflier. On peut dire comme ça. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le mot. En tout cas, en français, c'est nafle. Et chez nous, à l'île de la Réunion, on prénomme bibas pour le fruit, voilà. Bibas, voilà. Eh bien, sur ce, on va essayer d'arrêter là. Je veux mettre un peu de la paille, je veux le protéger à cet endroit. Et puis, on verra à la deuxième étape.